Hello, je suis Pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Qui peut trouver une femme de valeur? Elle se lève quand il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. La façon dont nous commençons nos journées est déterminante pour la qualité de celle-ci. En tant qu'héroïne, tu dois bâtir des journées efficaces et productives. Je vais donc te donner quelques conseils pour construire une journée productive basée sur le Miracle Morning de Al Harrod. Première chose, prends l'habitude de te lever tôt le matin et à heure fixe, par exemple à 5h ou 6h du matin. Ça te permettra de mieux organiser ta journée et de partir d'un bon pied. Ne dit-on pas que l'avenir appartient au lève-tôt? Deuxième chose, commence ta journée par le silence, c'est-à-dire par la prière et la méditation. Ça, c'est le temps de Dieu. Prends le temps de lui parler et de le laisser parler à ton cœur. Troisième chose, annonce et proclame de bonnes paroles sur ta vie et sur ta journée. Quatrième chose, prends quelques minutes pour imaginer, ou je dirais visualiser, ta journée victorieuse et au-delà des rêves de tous les autres jours. Cinquième chose, fais de l'exercice. S'il te plaît, fais de l'exercice physique. La marche, le jogging, le fitness, du tennis, pourquoi pas, voire du golf. Sixième chose, lis quelques pages d'un ouvrage qui vont augmenter ta culture générale et tes compétences. Et septième chose, essaye de tenir un journal dans lequel tu prendras l'habitude de noter tes rêves, tes projets, tes objectifs, tout ce qui te fait plaisir, ce qui te rend heureuse. Voilà, donc ça, c'est les 7 conseils que je voulais te donner. Et maintenant, je m'en vais te présenter de façon pratique ma journée type à moi, ou plus exactement mon début de journée type à moi. 45 minutes de prière et de méditation, voire plus, 10 minutes de proclamation, 10 minutes de visualisation, 30 minutes de sport, voire plus, 10 minutes de lecture et finalement 10 minutes d'écriture, de rédaction de mes rêves et de mes projets. J'avoue que sur ce dernier point, je ne réussis pas toujours à le faire, mais je promets d'essayer encore et encore et je suis sûre que j'y arriverai. Voilà, donc tu as toute la recette pour commencer un début de journée de façon efficace. Fais-le, essaye de le faire, de répéter et de répéter jusqu'à ce que cela devienne une habitude et tu verras que ta vie fera un bond en avant. Que Dieu te bénisse abondamment, héroïne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.